Hey, salut tout le monde, c'est quoi Mangus? On se retrouve aujourd'hui sur. On se retrouve, c'est déjà pas mal. On se retrouve sur Pro Cycling Manager saison 2014. Et oui, le jeu est sorti. Le jeu est là, le jeu est présent. Enfin, on l'attend. Chaque année, on attend ce 19 juin. On l'attend. Enfin, c'est pas forcément le 19 juin, je sais, mais bon, c'est le jeudi. Voilà, c'est un jeudi à chaque fois. 15 jours avant le Tour de France, on le sait, voilà, on l'attend avec impatience, voir un petit peu les nouveautés et tout. Je sais, j'ai déjà eu des vidéos sur du gameplay, vite fait, il y a eu des vidéos sur du live stream, ok. Mais là, c'est le jeu. Voilà, c'est pas une bêta, c'est pas. Non, c'est le jeu. Je l'ai eu en avant-première. Je n'ai pas eu le droit de faire les vidéos avant. Mais en tout cas, je tenais à remercier, voilà, Freki. Et Focus Home Interactive qui m'ont permis d'avoir le jeu 2 jours avant la sortie. Certes, vidéo interdite, mais au moins j'ai pu le tester avant. Je peux faire la vidéo avant que le jeu ne sorte. Donc, il sorte. Si tout se passe bien, à l'heure où je parle là, je pense la mettre à minuit une. À minuit une, normalement, elle devrait sortir. Donc là, je sais pas quelle heure vous la regardez, mais voilà. Bref, allez, sur ce, parlons un petit peu du jeu. Alors, déjà. L'interface, moi, me plaît. Elle est sobre. L'image rend bien sympa au milieu, là. J'aime bien. Franchement, les couleurs sont bien choisies et tout. Avec les lunettes, là, c'est vraiment sympa. Avec l'image de Champs-Élysées dessus. C'est sobre, c'est simple. Il y a eu des critiques dessus, je sais, mais non, moi, j'aime bien. Oh, nous avons les menus. Le menu avec les options. Alors, ça a changé aussi. Hein. C'est vraiment joli, là. Hop, c'est tranquille. Avec les crédits, bien sûr. C'est le même menu après. Hein. Voilà, gestion du profil, les options. L'aide, les succès, et bien sûr pour quitter. À droite, nous avons le mode solo, le mode multijoueur, le mode. Enfin, pas le mode, mais pour charger une partie et charger la dernière partie jouée. Pas beaucoup de changements au niveau du menu, mais la disposition et les petits logos et tout, franchement, c'est sympa. On va aller voir les options tout de suite. Voir un petit peu s'il y a du changement. Alors, moi, je suis toujours à 5 sur 6. C'est excellent. Donc ça n'a pas changé. Ici, j'ai Motion Blur, je l'ai viré, voilà. Je désactive le replay toujours. Je suis quasiment à fond. Là, je suis même à fond, là. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Ah, bah, je suis à fond. En fait, je suis à fond. Je suis à fond quasiment partout. Non, on va laisser 16. Là, on va laisser à 2. Non, 3. Et anti-aliasing 0. Ok. Donc, sur les mêmes trucs, hein, ça n'a pas changé. Le son non plus. Option générale, ça n'a pas changé. À part bien sûr, mais si là, au niveau des tutoriels, ça a changé vu qu'il y a l'apparition des tutoriels. Ici, base de données, bien sûr, ça n'a pas changé. Avec la liste de départ, hop, voilà. Bah écoutez, ça c'est l'interface de base hein, avec les menus, tout ça. On va commencer tout de suite le mode carrière. Eh oui, mode solo, mode carrière. Il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui, le gameplay ce sera certainement demain. Là, je vais quand même vous montrer juste tout ce qui se passe dans le mode carrière, les nouveautés du mode carrière. Et c'est tout. Le gameplay, ce sera certainement voilà, une vidéo demain, tranquille. Faut prendre son temps hein, de bien voir les choses et tout. Voilà, on n'est pas pressé. Hein. Le gameplay, vous l'avez un petit peu vu déjà en vidéo plusieurs fois. Donc, voilà. Allez, solo. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Voilà. Je trouve ça vraiment joli, quoi. La navigation est plus sympa, je trouve. Voilà. Le mode carrière. Tour, étape, classique, piste, j'ai envie de dire, c'est du classique. Mode carrière. Avec l'apparition, vous le savez, du maillot ici, de l'équipe à droite, là. Excellent. Alors, ça se présente comment? Bah voilà, avec le nouveau format des mini-maillots. Ici, on peut voir directement les coureurs, les fiches des coureurs, pas besoin de cliquer dessus et tout, non, non. On voit directement ses stats. Baroudeur, voilà. Non, bah, Bettencourt, voilà, on voit ses stats direct, 82 montagne, 83 vallon, 83 en accélération, c'est un grimpeur de 24 ans colombien avec sa photo. Rien à dire, c'est joli, c'est sympa. On va prendre bien sûr, bah, quitte à faire un test, autant tester avec l'équipe Katusha. A noter bien sûr que vous pouvez toujours jouer en Continental Pro, en Continental et personnaliser. Personnaliser, il n'y a rien qui a changé, là c'est toujours la même chose avec les filtres ici. Hop, ça n'a pas changé. Hein. Voilà. Sauf que là, encore une fois, ce qui est bien, c'est que on a toutes les stats directement
Là. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique aussi pour faire son équipe. On n'a pas besoin de, encore une fois, de cliquer sur le coureur, voir toutes ses notes et tout. Non, non. On les voit directement. Bref, on va pour le test, on va faire l'équipe Katusha. Avec Joaquim Rodriguez, bien sûr. Allez, c'est parti. Ça, c'est rapide, hein, forcément. Voilà l'interface de qui a changé, hein, l'interface de la carrière. Pas mal de petits changements, pas mal de choses qui ont bougé de place aussi. Vous allez voir ça. On va commencer dans l'ordre de l'écran. On va commencer ici. Donc là, en haut à gauche, manager, nouvelle. On voit où l'on est. Ici, vous avez deux flèches. C'est sympa parce qu'on peut, voilà, on pourra naviguer avec ça. C'est sympa. Les nouvelles icônes pour les différents menus, manager, équipe, résultat, monde. C'est vraiment sympa. C'est joli. C'est joli. Ça rend bien. Plus avec un fond noir comme ça, bien sombre. Ça rend super bien, moi j'adore. Je l'avais déjà dit plusieurs fois à plusieurs personnes. J'aime bien ce design bien sombre avec le maillot là en fond. C'est vraiment superbe. Ensuite, alors là, les menus. Manager, nouvel sponsor, bilan financier, exceptionnel, ça n'a pas changé. Équipe, ça n'a pas changé sauf le enfin, matériel, on verra ça tout à l'heure. Vous savez que c'est la grosse nouveauté de ce Pro Skills Manager, c'est le matériel. Hein, voilà. Résultat, c'est la même chose, et monde, c'est la même chose. Donc là, ce que je peux en dire de prime abord, c'est que certes, niveau design, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa, ça fait bien, ça fait propre, ça fait... j'adore. Par contre, voilà, niveau des menus, du contenu des menus, bah, ce sont exactement les mêmes qu'avant, quoi. Bon. Mais par contre, ils sont plus jolis, quoi. Voilà, c'est quand même plus joli, c'est designé, c'est beau. Ici, toujours les nouvelles, hein, voilà, donc là, ça n'a pas changé. Ici, bien sûr, le contenu des mails. À droite, en haut, vous avez là ce qu'il y aura comme course, enfin ce qu'il y a en course en ce moment, et les courses qui vont avoir lieu prochainement. Ici, à droite, en haut, vous avez le calendrier. Pour rappel, avant, il était ici, hein, vous avez toutes les courses qui étaient en bas, de l'écran. Maintenant, c'est ici, c'est en haut. On passe la souris sur la date et on voit tout ce qu'il y a. Peut même simuler jusqu'à la fin de saison. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça peut être sympa en fin d'année. Pourquoi pas, voilà, en fin d'année, s'il n'y a plus rien comme truc, hop, on clique là et c'est bon. On peut simuler jusqu'à telle date, vous voyez, jusqu'au 10 cela. Si on clique dessus, ça simule direct, hein, donc faites-le prudemment. À noter que pour arrêter une simulation, c'est espace. Voilà, c'est la barre espace. Que dire? Bah, validation donc le 6. Donc là, il y a les dates importantes. Dans la semaine du 20 au 26, il y a la route de San Luis. Le 21, c'est le départ de la Tunnel Under. Ok. Voilà. En bas de l'écran, bien sûr, le logo de l'équipe ici. Le solde. Il n'y a plus de masse salariale. Et ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Même si, le fait qu'il y avait une masse salariale, ça permettait une certaine gestion en plus parce que on pouvait pas acheter n'importe quel coureur, il fallait des fois revendre un coureur pour en acheter un parce que ça n'allait pas. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir acheter qui on veut quand on. Donc, du coup, même si je sais que les transferts ont été un petit peu plus. Ont été travaillés pour que ça soit beaucoup plus difficile, qu'il y ait plus de compétition par rapport à l'IA qui aussi est très active au niveau des transferts, n'ayant plus de masse salariale. Il y a ce petit côté gestion du salaire qui du coup est retiré. Bon. Tu vas me dire, ouais, mais on peut acheter qui on veut. C'est vrai. Oui, du coup, on peut acheter plus ou moins qui l'on veut comme coureur. À condition, bien sûr, après de leur faire de belles offres. D'accord, ça, bien sûr. Mais voilà. Ensuite, la conférence du sponsor. Ok. Et le nombre de mails qui ne sont pas lus. Bon, ils sont ici, hein, mais c'est vrai que si un jour. Enfin. Moi, j'ai tendance à tout supprimer rapidement, donc du coup, il n'y a jamais qui traîne. Voilà. Mais si vous êtes du genre à tout garder, ça peut être sympa de voir combien de mails. Bon, c'est pas super utile, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la prochaine course, donc ça reprend un peu ce qu'il y a ici. Hein. Voilà, la prochaine course, voilà. Championnat d'Australie dans une semaine, et un objectif dans 5 semaines. Le 9 février, c'est même marqué, voilà. Faire premier de la Vuelta Ciclista à Mallorca. Ça, je trouve ça sympa. Voilà, on sait que dans 5 semaines, il faut que je gagne cette course. Pourquoi pas, c'est sympa, mais encore une fois, c'est pas des grosses nouveautés à ce niveau-là, d'accord? C'est pas énorme, mais c'est sympa.
On peut pas dire qu'il n'y a pas de truc nouveau, que ça change, qu'ils n'ont pas essayé de faire un truc ergonomique. Pour moi, il est super ergonomique, c'est vraiment sympathique. Voilà. Avec le menu en haut, voilà, qu'on ne voit plus tout ça, maintenant, voilà, c'est ici, c'est discret, c'est sobre, c'est bien. Bref, on va aller voir ce qu'il y a eu de nouveau. Enfin, non, on va avancer d'une journée. Pim. Voilà, le 11 nouveaux mails. Daniel Moreno, pas au mieux. Daniel Moreno ne se sent pas très bien. On va surveiller l'évolution et vous tenir au courant. C'est ce qu'avait expliqué Yulfur lors du live stream. C'est qu'en fait, on vous dira pas il a ci, il a ça. Non. On va vous dire il n'est pas en forme. On ne sait pas ce qu'il a, mais il n'est pas en forme. Voilà. En fait, c'est ça. On ne sait pas trop. Et je trouve ça, ouais, pourquoi pas aussi, ça peut être sympa. Bon, là, ça n'a pas changé. L'évolution, forcément, Danny Moreno, c'est pas à 32 ans qu'il va évoluer. Et non, il n'y a rien de nouveau. Il est censé renouveler. Ok, non, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, à part les couleurs, bien sûr. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ici, voilà. Oxo et Sanyon qui me disent: nous vous informons qu'une évolution du modèle IO est en cours de préparation dans notre département de recherche et développement. Si tout se déroule comme prévu, le modèle sera disponible pour vous dans le courant du mois de juin. C'est la recherche et développement. Et c'est la grosse nouveauté niveau gestion dans PCM. Il faut faire évoluer son équipement pour avoir du matos de compétition, quoi, tout simplement. Car l'IA aussi évolue, quoi. Vous voyez, par exemple, là, Team Giant Shimano, Team Robcar aussi, voilà. Molteno travaillera cette année en collaboration avec Team Robcar. Voilà, l'équipe de Pierre Roland bénéficiera ainsi de l'avantage de choisir les évolutions à apporter. Voilà. En fait, c'est ça. Je pensais, moi, que l'IA commencerait aussi avec du matos tout bon, tout à fond et tout. Non. En fait, l'IA évolue en même temps que nous. Rushia Bike, aura à disposition les modèles. Rushia Bike, hein, ça y est, ça rigole pas. Ça rigole pas. Oui, c'est Rush Vélo, hein, bien sûr. Voilà. Bref. Oui, je m'excite, excusez-moi. Livraison du matériel. Vos partenaires Sanyon pour les cadres, Oxo pour les roues et Mécano pour les groupes. Donc les groupes, c'est les casques, tout ça. Vous ont livré le matériel pour la saison. Ils sont visibles sur la page matériel. Eh bien, écoutez, on va être directement dans la page matériel. Et là, on voit donc le matériel que j'ai. Donc voilà, j'ai plusieurs roues avec différentes choses. On le verra ça après. Les cadres, pareil. L'année de production. 2013, par exemple, le plus récent pour le chrono. 2013 là et 2012. Avec des stats différentes. Alors, les stats, bon, Yulfur l'a expliqué, hein, mais je vais quand même vous le redire. Aérodynamisme, c'est pour tout ce qui est étape de plat, les sprints. Légèreté, c'est pour tout ce qui est étape de montagne, vallon, on va dire. Et le confort, c'est plus pour les étapes de pavé. Voilà. Donc, voilà. Au début, vous avez un truc pour les chronos, les sprints. 4,5 de aérodynamisme, 0 légèreté, c'est logique, 0 confort, ça peut être logique. Ici, vous avez un truc spécial pour la montagne et les vallons, et là, vous avez un truc un peu un mix, quoi, un petit mix pour peut-être pour un Tour des Flandres, quoi, il faut quand même un petit peu grimper et du pavé, et puis bon, voilà. Je sais pas, hein, c'est un exemple, hein, je sais comme ça, voilà. Mais disons que voilà, vous avez trois catégories: sprint, chrono, montagne, vallon, et là, c'est pour tout ce qui est pavé, tout ça, voilà. Et pour les roues, c'est pareil. Ce sont les mêmes stats. Le feeling, voilà, c'est par rapport à très mauvais, voilà, bon, très bon pour ces deux matériaux. Voilà, moyen, très mauvais, donc très mauvais forcément. Niveau fiabilité, tout ça, c'est pas terrible non plus. Va falloir faire progresser tout ça. Donc après, voilà, il faudra mettre de l'argent, faudra faire évoluer tout ce matériel. Et c'est sympa. Les flèches, forcément, voilà, pour bouger, ça aussi c'est sympa, j'aime bien, ça bouge facilement, on se perd pas, c'est excellent. On vire tout. Alors, je vais quand même aller vous montrer les autres, mais rien n'a changé, hein. Voilà, sponsor, Katusha. On va vérifier si ça fonctionne ou pas. Flèche Wallon, par exemple, si je fais top 3, eh oui, plus 11 000 là, plus 9 000, ça fonctionne. Parfait. Équipementier. Programme de recherche et développement partiel. Là, je n'en ai pas pour le groupe. On verra ça plus tard.
Voilà, parce que je vais pas jouer, hein, c'est juste pour vous montrer ça, comme ça, rapidement, hein, encore une fois, voilà. L'équipe, les effectifs, ça a changé. Ça a changé dans le sens où, vous voyez maintenant, voilà, ce sont des menus clairs, nets. Ce n'est plus les petites flèches où on ne sait pas c'est sur quelle page qu'il fallait. Non, là, tout est marqué. Entraîneur, forme, saison, blessure, contrat, caractéristiques générales. Le contenu n'a pas changé. Je sais. Je sais, le contenu n'a pas changé. C'est un petit peu dommage. D'un côté, je sais, c'est comme ça. Mais je trouve, voilà, ils ont fait un effort au niveau de l'ergonomie, encore une fois, et au niveau du visuel. C'est important quand on fait une carrière, c'est assez long, hein, quand même. Et c'est important d'avoir quelque chose comme qui est visuel. C'est important aussi. Il n'y a pas que le contenu, ok, mais le contenant, c'est aussi important. Après, oui, voilà, on peut reprocher qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés à ce niveau-là, mais bon. Niveau du programme, ça n'a pas changé. Niveau des stages, non plus. Toujours la même chose au niveau des stages. Détection, pareil, hein, à toutes les régions du monde, ça n'a pas changé. Les objectifs des coureurs, c'est la même chose aussi. Alors là, vous allez me dire, mais quoi, bah, du coup, là, tu nous dis quoi? Tu nous dis qu'il n'y a que la recherche et le développement qui ont changé. Grosso modo, oui, mais pas que. L'interface, honnêtement, encore une fois, je vous le redis, l'interface, c'est important qu'il l'ait changé. Pour moi, c'est important. Ça fait des années qu'on dit, ça serait bien qu'il change un peu, là. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6 ans qu'on a la même. Ils changent. Quand est-ce qu'ils vont changer? Ils l'ont fait. Merci à eux, au moins pour ça, déjà. Voilà, c'est important. Bref, voilà, après, c'est la même chose, hein, les archives, le règlement, le monde dans la recherche. Voilà, avec toujours avec les filtres. Voilà, quoi. Là, on peut voir les notes des coureurs avec Quintana, Contador et Froome à 84, Rodriguez 83, mais 84 vallons. 83 accélération. Oh là là, Joaquim Rodriguez, qu'il est. Oh là là, il est fort. Il est bon, ok. Bref, on n'est pas là pour parler de Joaquim Rodriguez. L'infirmerie, donc là voilà. Dani Moreno ne se sent pas bien. Guérison, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a. Voilà. C'est un peu. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, franchement, et. Voilà, non mais. On sait pas ce qu'il a, voilà, mais encore une fois, vous allez me dire, ouais, super. Mais oui, ça change, ne se sent pas bien, voilà. Ça se trouve, c'est psychique, ça se trouve, c'est psychologique, ça se trouve, il a un problème. Je sais pas, sa femme l'a quitté, j'en sais rien, moi. Son chien est mort. Excusez-moi, je suis pas dans mes délires, la con. Voilà, sinon, ben, voilà, j'ai fait un peu le tour, là, au final. Là, vous allez me dire, mais quoi, mais, et la course? Quoi? On veut voir du gameplay, nous? Eh ben, le gameplay sera pour prochaine vidéo, mes amis. Ce sera pour une prochaine vidéo, tout simplement, et eh oui. Car là, ouais, c'est vraiment pour vous montrer un peu le mode carrière, tout ce qui est, hein, c'est tout. On va avancer encore un petit peu. Hop. État médical de Denis Moreno. Voilà, ça a évolué, en fait. Hein. Vous avez vu, tout à l'heure, c'était marqué, il est pas bien. Maintenant, c'est suite à sa baisse d'énergie qui persiste. Danny Moreno est allé consulter son médecin de famille qui lui a conseillé du repos et des vitamines. Il devrait être rapidement opérationnel. Il n'y a pas de gros risque à le faire courir, si ce n'est qu'il est pour le moment assez diminué. Voilà. Un peu ce que Eulfur expliquait, c'est qu'en fait, on peut faire courir n'importe qui, n'importe quand. En fait, il peut courir le coureur. Seulement, forcément, ne sachant pas trop son état, vous voyez, apparemment il a peut-être une petite grippe, quoi, il a un petit truc, voilà, il a pris un petit virus. Il peut courir. Quand on a la grippe, on peut aller sur un vélo et faire du vélo si on a la grippe. Seulement, forcément, les performances ne vont pas suivre par rapport à quand il est à 100% de sa forme, c'est logique. Mais ça, c'est bien aussi, voilà. Nouveauté, avant, un coureur qui était blessé, enfin n'importe quoi, peu importe ce qu'il avait, il ne pouvait pas courir. Maintenant, il peut courir. Et on a un conseil qui dit, voilà, il n'y a pas de gros risque à le faire courir, c'est-à-dire que on peut le mettre sur une course. Il pourra courir. Et je vais aller voir juste dans l'infirmerie. Merde, non, pas de transfert. Baisse d'énergie, voilà. Bientôt. Tout à l'heure, c'était il ne se sent pas bien. Maintenant, c'est baisse d'énergie. Ça évolue, mais franchement, vous trouvez pas ça bien? Me dites pas qu'il n'y a pas de changement. Me dites pas que c'est nul. Non, c'est bien. Faites des stages, oui, je sais. On fera des stages plus tard. On va en faire un. On va en faire un, allez. Voilà, on va faire un petit stage ici, voilà. Inverser, quand on prend tout le monde. Et on va faire un stage de 10 jours, allez, voilà. Tu seras content.
On s'en fout, même si c'est une course ou pas, on s'en fout, de toute façon, je ne jouerai pas aujourd'hui. Donc voilà. Hop, on avance encore. Début du stage de la lucha. Ok, bah, écoutez, là on avance tranquillement. Et voilà, il n'y aura pas de course, hein, je vous l'ai dit. Danny Moreno est rétabli. Bonne nouvelle, Danny Moreno est complètement rétabli. Merci! Validation des objectifs coureurs, on accepte. Hein, je les ferai sérieusement, bien sûr, quand je jouerai une carrière normale. Enfin, une carrière. Ah oui, à savoir que oui, il faut aussi que je vous parle de ça, mine de rien. Voilà. C'est. Comment dire? La carrière extrême que je vais jouer sur la chaîne Coin Mangus, elle débutera normalement mi-août. Voilà, mi-août. Il y aura une première phase d'inscription mi-juillet, une deuxième phase d'inscription début août, et mi-août, la carrière commencera. Voilà, vous êtes au courant. Donc, inscription à partir du 15 juillet, dans un mois, en gros. Une deuxième phase pour valider votre inscription. Début août et le début le 15 août pour cette carrière extrême que je vous promets depuis longtemps et qui va enfin commencer dans très très peu de temps. Dans 2 mois, au final, la carrière commencera. Voilà. Je vais avoir du boulot, il va falloir que je crée pas mal de courses et tout, ça va être assez galère, mais bon. Voilà, bah écoutez, on va se laisser là, je pense. On a fait un peu le tour là de tout. Vous voyez que le programme, encore une fois, donc évolue, hein, voilà, avec le Grand Prix de Dubaï ici. Vous voyez que en stage, hop, et tous mes coureurs qui sont en stage, tout va bien. Les prochaines courses, San Luis, le Tour Down Under, voilà. Alors, grosso modo, moi, ce que j'en pense, avant de se laisser, niveau interface et niveau graphique, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, j'adore ce visuel. Et je sais que je prends du plaisir, rien que pour mes yeux, à être en mode carrière parce que c'est vraiment sympa. Niveau du contenu, il y a la recherche et développement qui est très importante. Donc ça c'est pas mal, il va falloir s'y attarder un peu plus tard peut-être, mais c'est assez intéressant de faire évoluer son matériel. Le système de blessures et de formes qui a un petit peu changé, ça j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit côté réaliste encore plus poussé à ce niveau-là. Après, niveau contenu réellement, c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de choses. Voilà. Et au niveau des menus généraux, par exemple, voilà, je reproche un tout petit peu. Je peux reprocher à la limite qu'il n'y ait pas assez de choses, quoi. C'est un peu toujours la même chose. Malheureusement, voilà. Mais bon, voilà, après, c'est optimisé aussi dans le sens où voilà, ils peuvent pas mettre non plus beaucoup de choses en plus. C'est vrai que toutes les informations sont là. Et pour les coureurs, il n'y a rien d'autre à savoir que leur état général, leur carac, leur contrat, s'ils sont blessés ou pas, leur saison, ce qu'ils ont, où ils en sont, leur forme et qui les entraîne. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus 36 choses à savoir sur eux, quoi. Donc, voilà. Et globalement, je peux dire que faut voir sur le long terme. Il va falloir attendre une database, voilà, pour avoir des vrais noms, pour avoir des statistiques correctes et tout, des courses en plus certainement, voilà, il y a des choses qui vont être rajoutées comme d'habitude tous les ans, hein. La FCD et tout, voilà. Mais voilà. Ouais. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir à quelque chose à dire en plus. Non, non, c'est tout au final, hein. Je crois qu'on va se laisser ici, donc la prochaine vidéo, il y aura du gameplay, je vous l'assure, je vous le promets. Donc demain, je pense, j'en ferai une tous les jours, là, très rapidement. Donc celle-là sortira donc le jeudi 19 à minuit 1, donc ok. La suivante ce sera peut-être le soir ou le lendemain, nous verrons bien. Voilà, bah écoutez, en tout cas, c'était quoi moi Gus sur Pro Cycling Manager 2014, que Genève en première. Je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe de Focus Home Interactive, et en particulier Freki, hein, merci Sandra, merci à toi. C'était bien sympa, franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu l'avoir avant comme ça. Voilà, écoutez, rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Pro Cycling Manager 2014 pour vous montrer du gameplay et les nouveautés qu'il y a à ce niveau-là. Il y en a quelques-unes aussi, on en parlera, vous allez voir. Des bonnes, des intéressantes, des qui ne m'intéressent pas spécialement personnellement, mais qui vont intéresser beaucoup de gens. À noter, oui, aussi une chose, c'est que les tutoriels
Il y a des tutoriels aussi, j'en ai pas parlé, mais nous verrons ça sur notre vidéo. Voilà, écoutez. Sur ce, prenez bien soin de vous et à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!